Salut tout le monde, voilà une petite vidéo un peu nouvelle aujourd'hui. Pas loin de chez moi, il y a la Loire qui passe, et juste à côté, il y a des espèces d'étangs où on peut faire venir se poser et pêcher de temps en temps. On peut pas trop se baigner parce que c'est un peu crade, mais bon, il y a des endroits où on peut faire barbecue, table de pique-nique et tout. Et je suis passé par là il y a pas longtemps pour longer la Loire et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de déchets. Donc ça me dégoûte un peu. En plus, il y a des arrêtés municipaux qui interdisent maintenant vraiment ce genre de pratique, citant justement le fait que les gens ne ramassent pas leurs déchets. Donc moi là cet après-midi j'ai pas grand chose à faire, il fait beau, un peu chaud mais bon, on sera sous les arbres et je vais aller ramasser les déchets, les foutre dans des sacs plastiques et puis voilà, ça devrait me prendre un peu de temps. Tout seul ça reste réalisable, il n'y en a pas non plus tant que ça comparé à d'autres endroits que j'ai pu voir. Mais c'est une bonne activité qui me fait plaisir et puis c'est parti. Allez, à tout de suite. Voilà, on est arrivé sur place, donc c'est vraiment à côté. Donc il y a des lacs, comme ça, sympa. Mais pour l'instant ça va, c'est plutôt clean parce que les gens ils font que marcher à cet endroit-là, mais un peu plus loin, c'est là où c'est dégueulasse. Là, on est arrivé sur place, donc c'est vraiment un endroit pique-nique. Donc là, comme ça, on voit pas trop, mais dans les herbes qu'on voit qui sont un peu plus hautes, il y a plein de petits morceaux de plastique, des endroits un peu plus concentrés, des fois des bouteilles. Là-bas, une espèce de tissu, donc ça va pas faire méga de choses à ramasser, mais honnêtement, c'est déjà ça. Surtout si ça continue, ben, je vois que ce sera un dépotoir ici, ça, on n'a pas trop envie. Donc c'est parti. Les gens ils se sont dit on va planter des morceaux de bouteilles de bière dans le sol, comme ça fera un arbre à bière. Parce que c'est logique quoi. Il suffit qu'il pleuve un peu et puis voilà. C'est parti. Franchement c'est con parce que la poubelle elle était tellement loin tu vois. On pouvait pas trop rapprocher tout ça. Ouais, encore un échec. C'est pas grave. J'ai foi. J'ai foi en ces gens qui. Ils n'ont rien à faire. Franchement, tu te dis, le sac était juste à côté de la poubelle. C'était quoi l'idée? C'est que la poubelle était remplie, du coup ils l'ont mis à côté et il est tombé. Ou dans ce cas-là, tu prends un sac avec toi et tu le ramènes et tu le fous à la poubelle ailleurs. Je veux dire, ça va pas encombrer ta voiture, ni te faire chier de faire ça quoi. En attendant, le truc il se retrouve par terre, les trucs ils auraient pu s'envoler, aller dans le lac. Et voilà, ça fait de la pollution partout. Voilà, j'ai fini la zone que je m'étais délimitée. C'est comment ça allait un peu n'importe où, enfin partout plutôt. J'aurais jamais fini donc je préfère forcément plusieurs étapes. Donc voilà tout ce que j'ai ramassé en 1h30. C'est plein de petites merdes. Il y avait des fois du PQ, des couches, il y a même eu une serviette hygiénique. Il y a encore des trucs sur le chemin d'ailleurs. Mais ouais, non, bah, ça me dégoûte personnellement. Les gens, ils viennent là pour pique-niquer. Leurs gamins, ils sont pas capables de venir avec un sac poubelle et de ramener ça chez eux. Je veux dire, ça trouve le cul à personne de faire ça, donc honnêtement, ouais. Les gens me dégoûtent quoi. Mais voilà, moi je suis content de l'avoir fait. Et puis voilà, on va rentrer tranquille. Le truc c'est que va falloir trier tout ça. Mais voilà, c'est un coin qui est assez sympa avec la nature et qui est calme, que bord de la Loire, c'est cool. Et franchement, ça me dégoûte que ce soit pollué par des connards. Donc voilà. Salut tout le monde. Du coup, hier soir, j'avais un peu la flemme pour faire le tri de ce que j'avais ramené. Donc je m'y mets que maintenant. Donc c'est parti, le sac est toujours là. Donc faut trier ça. Je vais trier ça en plusieurs catégories. J'aurai tout ce qui va être ce qui va dans les trucs à emballage là-dedans. Je vais avoir tout ce qui va être bouteille de verre. Et tout ce qui va être le reste, en gros, tout venant, donc, ça va être principalement des couches et du PQ.
organisé, donc ça c'est top. Et puis bah voilà, on s'y met, c'est parti. Voilà, donc au final, pour ramasser tout ça et le trier, ça m'a pris en gros une demi-journée de ma vie. Donc ouais, ça aurait été bien si les gens l'avaient fait de même, mais bon. Allez, salut!